Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de la diaspora, même celles qui nous suivent à partir de la RDC. Dans tout le coin de ce pays, nous voici en direct de la ville de Goma sur votre chaîne Congo Live Télévision. À ce jour, nous vous disons bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 7 mars 2024 en direct de la ville de Goma sur ce plateau, les dames et messieurs. Monsieur Fabrice Kugaya, acteur politique à l'Est de la République. Monsieur Fabrice, bienvenue et bonjour encore une fois de plus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour. C'est pour moi un très grand plaisir de me retrouver sur ces grands plateaux de cette grande chaîne en ligne Congo Live Télévision. Comment allez-vous? Non, je veux plutôt bien, en dépit des petites difficultés de la vie. Ben, c'est lié à la vie est ainsi faite. La ville de Goma qui a été un peu sous menace des rebelles du M23 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut noter? Comment elle se porte? Bon, on peut dire que la ville de Goma, c'est une ville très résiliente. En dépit de la menace qui pèse sur la ville, la population vaque librement à ses occupations, comme vous le savez. Il y a eu des assurances et des rassurances de la part du gouvernement congolais que la ville de Goma ne tombera pas et que la vie doit continuer comme d'habitude. Donc nous vivons comme d'habitude, même si certains économistes nous diront que économiquement parlant, la ville de Goma est étouffée parce que tous les points de ravitaillement sont quasiment bloqués. Donc, mais en termes de résilience, vous avez vu que tous les travailleurs s'élèvent tôt le matin pour aller chercher du pain. Et voilà, donc Goma tourne normalement. Et c'est là grâce à cette population qui n'est pas paresseuse, qui s'élève chaque matin pour aller travailler. On en parlera de la situation à l'est de la République démocratique du Congo tout au long de cette émission. Mais également, nous vous souhaitons encore bienvenue sur ce plateau de Congo Live Télévision. Les dames et messieurs, nous avons reçu des appels, nous avons reçu des alertes venant d'ici et là, de tout le coin du pays, à ce qui concerne les légendes, le héros, et de personnes qui acceptent de mourir pour la nation congolaise. Disons, Batu Oyo Bandima Kowa Pona Ekolo. Aujourd'hui, on va développer un peu plus sur ce genre de personnes, d'où M. Fabrice Kugaya va nous raconter sur la vie que mène un des compatriotes qui a accepté de donner sa vie pour la nation congolaise. Il s'agit de M. Patrick Bala, Dr Bala. Certains d'entre vous, vous le connaissez parce que c'est ce qui lui a amené même à presque être tué au Rwanda. Il avait déclaré ça sur Congo Live Télévision. Aujourd'hui, on parle de Patrick Bala qui est dans un état très critique et que le gouvernement congolais semble ignorer son existence. Qu'est-ce qu'il faut noter? Qui est Dr Bala? D'abord, qui est Dr Bala? Parlez-nous-en. Dr Patrick Bala, c'est un compatriote, c'est un Congolais, vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma. C'est un acteur politique, c'est une matière grise en tout cas qui participe à l'élévation du débat politique au niveau de la province. Donc il participe à la vie politique de la province depuis maintenant des années. Et il appartient effectivement à une famille politique que nous sommes, parce que depuis un moment, nous qui participons à dans des débats politiques, des débats sur la vie politique de la nation, nous nous retrouvons quasiment une fois la semaine pour partager des nouvelles, pour effectivement discuter de la vie politique, comme je le disais. Et Patrick fait partie de ses amis avec lesquels nous nous retrouvons quasiment chaque semaine pour parler de la vie politique, de la marche politique, et pour effectivement donner des pistes et des solutions à ce qui ne marche pas et voir comment encourager ce qui marche. Aujourd'hui, on signale partout dans la République qu'il est dans un état critique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui amène à ça? Comment c'était? Racontez-nous un peu les faits. Je vais retourner un tout petit peu dans le cours des événements, dans l'historique. En fait, c'est au mois de juin 2022 que Patrick Bala avait été enlevé, puis conduit dans un cachot secret au Rwanda. Et par la suite, il avait été torturé et empoisonné. Aujourd'hui, nous sommes en train de craindre pour sa vie. Je rappelle
que dans une des émissions, des suites effectivement de la colère populaire qui était exprimée par tous les Congolais, comme vous le savez, le Rwanda est toujours dans sa stratégie belliqueuse vis-à-vis la République démocratique du Congo pour piller ses ressources et nous maintenir dans une étreinte mortelle économique. Et nous, les Congolais, depuis un moment, nous nous sommes levés pour dire « Niet, ça ne passera plus cette fois-ci ». Et Patrick Bala fait partie effectivement de ces Congolais qui se sont levés et qui ont exprimé leur ras-le-bol. Et en exprimant son ras-le-bol, Patrick Bala avait cloué au pilori les régimes rwandais et son agression dans la partie est du pays, donc dans le territoire de Masisi, le territoire de Nyiragongo et les territoires de Rutshuru. Et c'est à la suite de l'expression de son ras-le-bol, surtout que Patrick s'est retrouvé à l'époque sur le sol rwandais, qu'il avait été conduit manu militari dans un cachot au niveau de Kigali, où, je le rappelle, avait été empoisonné et torturé. Patrick Bala avait eu sa vie sauve grâce à des discussions qui avaient eu au haut niveau, parce que c'était au niveau de la région, c'était en Angola, sous la facilitation du président angolais. Patrick Bala avait été échangé contre deux militaires rwandais qui avaient été capturés sur les champs de bataille, dans le Rutshuru. C'est ainsi que Patrick a pu quitter les geôles du Rwanda, les geôles du régime rwandais, pour se retrouver d'abord en Angola. Et puis, de l'Angola, il y a eu un avion qui avait été affrété pour que Patrick se retrouve à Kinshasa. Et il faut ici dire que déjà, donc, au début, il faut dire qu'il y avait de l'espoir. Parce que lorsque le gouvernement avait aussi appris que Patrick était détenu au Rwanda, était emprisonné, kidnappé au Rwanda, le gouvernement avait pris ses responsabilités en essayant un peu de mettre tout en œuvre pour obtenir la libération de Patrick. Chose faite, maintenant la suite des événements, c'est là où ça a posé problème. Parce qu'il fallait que Patrick fasse un check-up médical, malheureusement qu'il n'a pas eu à faire. C'est un peu plus tard qu'il s'était rendu compte qu'il avait des graves ennuis de santé. Et à la suite de ces graves ennuis de santé, Patrick Bala avait réussi une première intervention chirurgicale à Kinshasa. C'est grâce effectivement à l'assistance d'un homme politique de bonne volonté qui avait touché de sa poche pour que Patrick reçoive une première intervention chirurgicale. Cette intervation a conduit à ce que Patrick mette une sonde, puis s'est promené sonde en poche. Et cette sonde liée, effectivement, donc la sonde qui avait un canal qui allait vers ses organes génitaux. Donc à chaque fois que Patrick avait besoin, ou à chaque fois qu'il a besoin de faire son petit besoin, il doit aller vérifier si la sonde n'est pas pleine pour la décharger et par la suite attendre une prochaine fois. Donc c'est un compatriote qui souffre, qui avait eu le courage que beaucoup n'ont pas, parler du régime rwandais, parler des Kagame sur le sol rwandais et fustiger l'agression rwandaise tout en étant sur le sol rwandais. Là, il vivait à Gisenyi. Et il l'a fait sous la barbe des autorités rwandaises. Le même courage qu'a eu Héritier Louvumbu. Héritier Louvumbu, dans sa célébration, le deux doigts sur sa tempe et l'autre main sur la bouche, cela relevait d'un grand courage. Et c'est ce que Patrick Bala a fait. Aujourd'hui, malheureusement, nous semblons remarquer que le courage de M. Patrick Bala n'est pas aujourd'hui reconnu, que ce soit par la communauté, toute la communauté congolaise, par le gouvernement congolais. Aujourd'hui, Patrick était dans les oubliettes. Il faut dire qu'il est père de famille. Il nourrissait sa famille. Et aujourd'hui, dans cet état de santé, Patrick n'a absolument rien, il a complètement tout perdu. Et aujourd'hui, c'est un cri de détresse que nous lançons. Que Patrick soit assisté, que tous les Congolais qui sont en train de nous suivre de partout, qu'ils puissent contacter M. Patrick Bala. Nous contacter, nous,
parce que nous avons été mandatés par lui pour parler en son nom. C'est un Congolais qui souffre et aujourd'hui il risque sa vie. Sauvons cette vie qui a su rendre fier le Congolais, cette vie d'un courageux homme qui a su s'élever là où tous les Congolais avaient peur. Donc, aujourd'hui, il est plus qu'important de voir comment est-ce que Patrick va recevoir une intervention chirurgicale pour sauver sa vie. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous lançons un message à tous les Congolais de bonne volonté pour trouver le montant nécessaire pour l'intervention chirurgicale de M. Patrick Bala. Patrick Bala, si je retiens bien le message, Patrick Bala se trouvait sur le sol congolais comme M. Héritier Luvumbu. Le sol rwandais. Il a le sol rwandais, disons. Il a eu le même courage de déclarer l'agression de M. Kagame qui est en train de s'effectuer à l'est de la République pendant qu'il vivait au Rwanda. Quel patriotisme! Mais effectivement, c'est ce courage, ce patriotisme qu'il faut aujourd'hui reconnaître. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est pratiquement oublié, que ce soit par le gouvernement congolais, que ce soit par toutes les personnes de bonne volonté. C'est la raison pour laquelle, du haut de ces plateaux, nous demandons de l'assistance pour que M. Patrick Bala soit traité. Aussi, reconnaissons que Patrick Bala, aujourd'hui affaibli, que ce soit physiquement, il a aussi été affecté psychologiquement et même financièrement parce qu'il n'exerce plus, il n'a plus les mêmes forces. Et aujourd'hui, effectivement, il se tourne vers toutes les personnes de bonne volonté pour pouvoir reconnaître son courage, mais beaucoup plus pour pouvoir recevoir les soins appropriés. Je rappelle qu'il avait été empoisonné, il avait été torturé parce qu'il avait dit non à l'agression rwandaise pendant qu'il était sur le sol rwandais. Donc, c'est un courage exceptionnel que beaucoup de Congolais n'ont pas. Ils sont très nombreux, ceux-là qui vivent au Rwanda et qui ne peuvent pas avoir ce courage, qui ne peuvent pas faire ça. Mais Patrick s'est levé pour le faire. Donc, reconnaissons quand même à cet homme ce courage et contribuons pour que cette vie ne soit pas perdue. Mesdames et messieurs, il est question de sauver une vie d'une personne qui s'est donnée, qui a décidé de parler du tout haut, de tout ce qui entre s'est passé à l'est de la République, la santé de M. Patrick Bala. Ce qui est Simbio Motema, s'il faut le dire à tous nos amis de la diaspora, ce qui est Simbio Motema, donc. N'importe quoi au Kozalanango, vraiment, en urgence pour Patrick Bala, il est important, Bame Mayango. Vous avez des contacts pour ça, et, vous allez donner ça peut-être plus tard. Mais parlons-en un peu de la situation sécuritaire à l'est de la République. La diplomatie, le plan militaire. Pour commencer déjà, vous personnellement, comme acteur politique, comment vous jugez la situation actuelle? Bon, il faut dire que, qu'il y a des signes d'espoir qui se dégagent. Vous avez vu, du point de vue diplomatique, la République démocratique du Congo a obtenu l'aval de la SADC pour l'envoi des troupes. Et déjà, donc, des troupes sont sur place. Et que c'est déjà un avertissement que si les M23 et les RDF ne déposaient pas les armes, bon, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais aussi, vous avez sans nul doute suivi que maintenant, la communauté internationale commence à se réveiller et commence à condamner ouvertement le Rwanda. Le Rwanda qui pensait jouer à un jeu d'Oedipe. Et le Rwanda est mis aujourd'hui à nu. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, sont en train de parler de la présence rwandaise dans la partie du pays. Donc allez-y comprendre que les M23, c'est juste un nom. C'est juste un nom. Mais en réalité, les éléments du M23 n'existent pas. Les éléments qui existent dans la partie du pays, c'est bel et bien des militaires rwandais. Et aujourd'hui, la diplomatie agissante est en train de payer parce que on ne les dit pas à demi-mot. Aujourd'hui, on les dit tout haut, que ce soit l'Union européenne. Aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne sont en train de les dire, que ce soit les États-Unis d'Amérique. Ils sont en train de les dire. Donc, nous osons penser que ce sont des signaux forts qui sont en train d'être lancés, que bientôt la situation... La situation aura sa réponse. Mais aussi, il faut aussi dire
qu'il y a des signaux aussi très bons, des signaux forts qui nous viennent de nous-mêmes, avec l'organisation de notre armée. Vous voyez qu'il y a plusieurs unités spéciales qui sont en train de nous arriver, qui viennent de quasiment tous les centres de formation, pour dire que si le Rwanda nous veut la guerre, le Rwanda aura la guerre. Et aussi, vous avez vu cette cohésion nationale autour de notre armée, autour du président de la République, pour que nous puissions bien mener cette guerre. Vous voyez que même au sein de l'opposition, on donne de la voix. Que ce soit au sein de la majorité qui dirige, on donne de la voix. Pour dire que cette guerre nous a donné aussi une occasion de nous souder. Les Congolais aujourd'hui ne sont plus distraits. Ne sont plus distraits face à l'intégrité nationale. S'il faut défendre notre intégrité nationale, nous le ferons sans complaisance. Et aujourd'hui, il y a des signaux forts qui nous prouvent que réellement, le lendemain sera meilleur. La cohésion nationale, elle est là. Nos forces armées de la République démocratique du Congo sont en train d'être équipées et professionnalisées. Vous avez aussi vu que grâce à la diplomatie agissante, nous voyons des condamnations qui viennent de gauche et à droite, et nous osons penser que des sanctions pourront maintenant s'en suivre et que le Rwanda pourra taire définitivement ses intentions belliqueuses dans la région. Vous êtes en train de suivre Congo Live Télévision de partout où vous nous suivez. Monsieur Patrick Kugaya. Fabrice Kugaya. Monsieur Fabrice Kugaya, s'il vous plaît. S'il faut dire que le M23 est de coquille vide, comme les gens le disent. Qu'est-ce qui est en tête Kagame? Malgré tout ce qui est décidé, il est appelé à retirer ses hommes sur les sols congolais, à laisser avec les hostilités, voir tout ce qui se passe au pays. Il ne veut pas. Qu'est-ce qui lui est en tête? Kagame est dans sa stratégie belliqueuse. Kagame sait qu'il vit du sang des Congolais. Il vit de la guerre au Congo. Il vit de la stabilisation de la RDC. Et effectivement, nous les Congolais, nous avons compris que nous ne donnerons plus jamais cette chance à Kagame à pouvoir nous déstabiliser. Et aujourd'hui, il faut dire que Kagame se retrouve maintenant dans une position de faiblesse et il pense que nous continuerons donc à jouer à son jeu. Aujourd'hui, vous le savez très bien, cette guerre a aussi des motivations économiques. Kagame veut que nous puissions continuer à emprunter, nous qui sommes de l'Est et avec tous les opérateurs économiques, veut à ce que ces opérateurs économiques continuent à emprunter les routes du Rwanda pour importer les marchandises qui viennent de l'océan. Et aujourd'hui, Kagame veut nous maintenir dans cette sorte d'insécurité pour que nos gorilles des montagnes ne soient pas visités à partir de la RDC, mais que ces gorilles soient visités à partir du Rwanda. Aujourd'hui, Kagame nous cherche de l'insécurité dans nos champs. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas produire et que nous puissions pratiquement dépendre de l'agriculture du Rwanda. Effectivement, cette guerre a des motivations économiques. Et il est aux abois parce que nous sommes restés résilients et nous avons dit que nous allons résister. S'il faut la guerre, nous la mènerons jusque dans ces galipettes. Avec tout ce que possède, avant de parler ça d'ailleurs, dans les Masisi, hier, les Ouazalènes ont gagné, les FRDC ont gagné. Mais s'il faut parler toujours d'hier, ils ont perdu dans les Rutshuru. Pourquoi gagner dans les Masisi et perdre dans les Rutshuru? Vous savez, actuellement, nous sommes en guerre. Et la guerre avait commencé, mais nous ne savons pas quand est-ce qu'elle finira. Vous me parlez effectivement de bataille. Le bataille, nous pouvons le perdre. Mais la guerre, on la gagnera. Moi, j'ai cette ferme assurance parce que je peux lire les efforts qui sont en train d'être fournis pour que cette guerre finisse. En tout cas, je pense que cette guerre, nous la gagnerons. Peu importe les jours, peu importe comment, mais en tout cas, nous la gagnerons. Vous avez même suivi, il y a quelques heures, une grande puissance au niveau mondial a déclaré qu'elle était prête aujourd'hui à coopérer militairement avec la République démocratique du Congo. Je parle bien de la Russie, qui a effectivement déclaré être prête à collaborer militairement avec la RDC. Cela va sûrement faire trembler Kagame jusque dans sa petite culotte, parce que Kagame qui est
soutenu par certaines puissances occidentales et que ces puissances occidentales désormais auront affaire avec Poutine face à face. Non, il faut dire que les choses, la mayonnaise commence à prendre petit à petit dans les affaires congolaises. Pour finir avec le FARDC, avec tout ce que possèdent les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a les Sukhoi, il y a des armées lourdes, il y a les troupes, là on parle des hommes, des personnes formées, en fait d'exercer la guerre, des commandos et d'autres unités. Qu'est-ce qui manque à cette force de finir avec la petite rébellion soutenue par les Rwandais? Vous savez, le Rwanda, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais derrière le Rwanda, il y a plusieurs puissances, il y a plusieurs multinationales. Vous avez suivi, lors de la visite du président polonais au Rwanda, il avait déclaré que si la RDC fait la guerre au Rwanda, c'est la Pologne qui interviendra. Et sans nul doute, vous avez vu que le Rwanda... Après juste la visite du président polonais, il y a des missiles solaires équipés des radars qui ont été signalés dans la partie est du pays pour appuyer le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'on avait nos avions de chasse qui faisaient très mal aux troupes de Kagame et qu'il fallait trouver un mécanisme pour stopper l'avancée, pour stopper le bon succès de ces avions de guerre. C'est ainsi qu'ils ont déployé des missiles solaires équipés de systèmes radars. Effectivement, vous êtes sans ignorer que même l'Union européenne a signé des contrats d'exploitation des minerais avec le Rwanda. Et vous savez que la même Union européenne accorde des millions de dollars à l'armée rwandaise, soi-disant pour sa professionnalisation. Et aujourd'hui, nous, les FARDC, nous nous battons contre plusieurs puissances et une puissance suréquipée. Parce que sur terrain, on a été, effectivement, il y a des sources qui nous ont dit que le M23 possède même des lance-missiles avec guidage GPS. Donc pour dire que ce sont des guidages qui ne ratent pas des cibles. Donc ces genres d'armes, pensez-vous vraiment que le Rwanda les a? Le Rwanda a les moyens de se procurer ces genres d'armes? Non, il y a des gens qui sont derrière le Rwanda, qui nous font la guerre par procuration et qui veulent piller les ressources de notre pays. Et aujourd'hui, nous condamnons l'attitude du Rwanda d'être ces pays par lesquels toutes ces personnes qui n'aiment pas l'Afrique devront désormais passer. Vous voyez que le Rwanda a pratiquement des problèmes avec tout le monde. Le Rwanda avait des problèmes avec l'Ouganda. Le Rwanda a aujourd'hui des problèmes très sérieux avec la RDC. Et le Rwanda qui a toujours des problèmes avec le Burundi. Mais finalement, qu'est-ce que le Rwanda veut? Qu'est-ce que le Rwanda veut? Donc le Rwanda veut la guerre finalement avec tout le monde. Comme le Rwanda veut la guerre avec tout le monde, le Rwanda aura la guerre avec tout le monde. On finit avec ce sujet de M. Bala, Dr. Patrick Bala, un numéro pour que le gens de bon cœur, tous les téléspectateurs de Congo Live Télévision qui aimeraient bien participer à cette action caritative d'enthousiasme, aimeraient bien partager des coordonnées. Le numéro est le plus 243 89 70 25 312. Peut-être je répète pour la meilleure audition. Le plus 243 89 70 25 312. Nous disons déjà merci d'avance. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. Na place au Fandi, na place au Zolanda Bisso. Aux Awapi, aux Ana Kinshasa, aux Ana Lubumbashi, aux Ana Katiamboko, aux Alibanda Yamboka. Sentez-vous à l'aise de venir en aide de ces compatriotes au Vinaeza, vraiment en danger. Merci beaucoup, messieurs Fabrice Kougaya. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Et surtout à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est à moi de vous dire grandement merci.